Scandale au ministère de la Justice. Sensant qu'ambilait le poisson noir, le consigliori de la haute corruption des magistrats ivoiriens. Première partie. La Côte d'Ivoire, sous le magistère d'Alassane Ouattara, est devenue une république trois fois plus corrompue que sous l'ancien régime de Laurent Gbagbo. C'est ce qui se dit dans toutes les rues d'Abidjan et les observateurs ne comprennent absolument pas comment un tel phénomène puisse se produire, alors que tous avaient espéré qu'avec l'avènement de celui-ci au pouvoir, c'est bientôt le contraire qui devait advenir. L'économiste chevronné venu du FMI faisait figure de favori face à l'historien Laurent Gbagbo, dont on disait qu'il n'était pas expert en économie. Pourtant, les faits sont là, flagrants. Le régime d'Alassane Ouattara est le plus corrompu de tous les temps depuis 1960. Nous tous devrions avoir l'humilité de le reconnaître. Dans ce cas, de deux choses l'une. Soit c'est Alassane Ouattara lui-même qui est corrompu et il trompe tout le monde, soit il est victime de requins rapaces qui pillulent dans son entourage et qui ont établi de nombreux réseaux mafieux sophistiqués pour détrousser les fonds publics, s'enrichir illégalement par toutes sortes de moyens illégaux. Notre longue enquête détaillée, en effet, nous avons mis 2 ans à réunir les preuves, a établi que de grands délinquants connus et inconnus volent bien des fois au vu ou souvent à l'insu du chef de l'État par la technique du trafic d'influence. Personne ne peut prendre à défaut Chris Yapi quant à l'inimitié qu'il porte à Alassane Ouattara. Mais pour une fois, cette enquête consacrée aux magouilles démontre bien qu'environ 50% des abominations ont été commises à son insu. En effet, son nom et sa confiance ont été les ferments qui ont permis que l'institution judiciaire ivoirienne soit la plus corrompue de l'Afrique de l'Ouest, avec à sa tête un certain Sansan Kambilé, dont la compétence et la probité apparente sont noyées dans la plus vile médiocrité. Chers lecteurs et auditeurs, Chris Yapi vous annonce que le poteau rose du grand banditisme qui a pris ce pays en otage est désormais découvert. Telle la boîte de Pandore de la mythologie grecque, le régime d'Alassane Draman Ouattara part en vrille, révélant de plus en plus violemment les méfaits et la méchanceté absolue qui sont dans ses entrailles. Ne dit-on pas que ce qui est pourri finit toujours par sentir mauvais? En ce qui concerne la justice ivoirienne, le poisson a pourri par la tête, confirmant un adage populaire en Côte d'Ivoire. Sansan Kambilé, magistrat hors hiérarchie, matricule 245-131-S, né le 1er mars 1962, première prise de service le 3 février 1992, est le vrai mal du système mafieux que nous allons décrire. Il est la tête du poisson, autrement dit, un ministre de la justice corrompu, comme on en a rarement vu depuis l'indépendance de notre pays. Dans cette enquête, il n'y aura pas de place pour la conjecture ni les insinuations. Nous vous livrerons des faits matériels. Alors commençons par le commencement, une formule que j'apprécie bien. Dans ce courrier officiel intragouvernemental, daté du 15 septembre 2021, dont Sansan Kambilé ne peut nier l'authenticité, il s'adresse à son collègue le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobibalo, matricule 252-225-F, né le 11 janvier 1968, première prise de service le 1er janvier 1996. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sansan Kambilé, le poisson noir de la justice, dévoile de façon ouverte et indiscutable son rôle de parrain de la haute corruption des magistrats ivoiriens. Sansan Kambilé, certainement paniqué, a eu le culot de menacer et de reprocher de façon irrévérencieuse à son collègue, qui pourtant est non seulement dans ses prérogatives, mais surtout dans son bon droit, comme l'a souhaité Alassane Ouattara, d'avoir publiquement révélé dans une conférence de presse que de nombreux magistrats ivoiriens étaient soupçonnés de faits de haute corruption et seraient dans le viseur de l'opération coup de poing ordonnée par le chef de l'État lui-même dans l'espoir de lustrer un tant soit peu l'image ténébreuse de son régime. En effet, dans une conférence de presse le 14 septembre 2021, donnant le bilan des actions entreprises par son ministère pour combattre la corruption en Côte d'Ivoire, le ministre et par ailleurs magistrat de formation, Epiphane Zorobibalo, a affirmé ceci. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination. Bien d'autres services publics, notamment la santé, le transport, la justice et l'éducation, sont également dans le collimateur de cette opération coup de poing. Il a été recueilli des preuves
montrant des individus non agents de la SICTA, qui sont des facilitateurs, recevant des pots de vin des mains d'usagers afin d'assurer un passage avec succès lors du contrôle technique, quel que soit l'état du véhicule. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Zoro Epiphane Balo a réaffirmé l'engagement de son département et de ses partenaires à poursuivre ce combat pour la bonne gouvernance et contre la corruption. Attention à la fraude, attention aux rackets, parce que l'État vous voit. Le dispositif à cette fin a été déployé en vue de renforcer la détection des actes de corruption. Comme vous l'avez entendu de vos propres oreilles pour parler français ivoirien, le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption a clairement décrié et dénoncé la haute corruption dans notre appareil judiciaire. Citons un extrait saillant de ce que vous venez d'entendre, afin que cela soit fixé dans tous les esprits. Epiphane Zorobibalo dit ceci. Au niveau de la justice, il est également fait cas de paiement de pots de vin, moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Des faits punis conformément aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance numéro 2013-660 et 2013-661 relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. En démocratie, une telle déclaration à elle seule aurait dû imposer au Premier ministre Patrick Hachi de virer du gouvernement le titulaire de la justice et le forcer à présenter des excuses au peuple souverain ivoirien. Hélas, en lieu et place, elle aura eu pour effet de faire bondir comme un tigre enragé sur sa chaise le sieur Sansan Kambilé, ministre de la Justice, garde des Sceaux, arrogant à souhait et fort de la confiance aveugle que lui porte le président Alassane Ouattara. Sansan Kambilé, très courroucé, a donc cru bon de devoir menacer et remonter vigoureusement les bretelles à son collègue dans un courrier particulièrement plein d'hypocrisie, d'alacrité et de ressentiment. Votre investigateur Chris Siapi, qui a pu obtenir la copie originale de cet échange intragouvernemental, vous donnera d'abord lecture complète du courrier de Sansan Kambilé à Epiphane Zorobibalo avant d'en délivrer une analyse textuelle. Courrier numéro 218 du ministre de la Justice à Monsieur le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, du Renforcement des Capacités et de la Lutte contre la Corruption. Fait à Abidjan le 15 septembre 2021. Objet : magistrats épinglés par vos services pour corruption. Monsieur le ministre et chers collègues, lors d'un point de presse que vous avez animé le mardi 14 septembre 2021 sur l'état de la corruption en Côte d'Ivoire, vous avez déclaré entre autres, faisant suite à l'opération dénommée coup de poing menée par vos services, que s'agissant de la justice, il est fait cas de paiement de pots de vin moyennant abandon de poursuite ou prononciation de peine beaucoup plus légère. Ces révélations, qui valent dénonciation et mettent en cause à l'évidence des magistrats, interpellent mon département ministériel qui entend initier des poursuites pénales et disciplinaires contre ces derniers. À cette fin, je vous prie de bien vouloir me transmettre les informations dont vos services disposent concernant les magistrats mis en cause. Je voudrais, pour terminer, au regard de la délicatesse de la gestion des questions touchant aux magistrats, qui, conformément au principe de la séparation des pouvoirs prévu par la Constitution, relève du pouvoir judiciaire, suggérer que les cas de corruption portés à votre connaissance ne fassent pas l'objet de déclarations publiques, mais plutôt d'une saisine des autorités de poursuite compétentes. Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le ministre et chers collègues, l'assurance de ma considération distinguée. Signé Sansan Kambilé. Que nous révèle donc le courrier officiel dont je viens de vous donner lecture? Voici mes 5 observations et conclusions tirées de ce courrier incroyable du corrompu Sansan Kambilé, mis à nu par son collègue du gouvernement. Première observation. Ce courrier est d'une extrême gravité, car c'est un courrier de menace entre les lignes adressé par Sansan Kambilé à son collègue Epiphane Zorobibalo. Il lui dit clairement qu'il s'attaque à ses risques et périls aux magistrats et par ricochet à lui, Sansan Kambilé, en ses grades et qualités de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Sansan Kambilé est clairement hystérique, d'autant plus qu'il prétend menacer le ministre Epiphane Zorobibalo au nom d'un soi-disant principe de la séparation des pouvoirs. Cette prétention est pourtant infondée,
puisque d'une part, le ministre Epiphane Zorobibalo est lui-même magistrat de formation et d'autre part, est chargé de la lutte contre la corruption et aucune exception n'est faite aux magistrats, surtout corrompus. C'est écrit dans l'intitulé de son ministère Diantre. À quoi servirait donc le ministère de Zorobibalo s'il ne doit pas détecter et dénoncer des corrompus de tout poil? En quoi dire en démocratie que des magistrats sont corrompus, nuit ou porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs? Les magistrats sont-ils au-dessus de la Constitution? N'est-ce pas que tous les jours dans les démocraties, de tels faits sont publiquement dénoncés? Mieux, tout près de nous, au Bénin et ensuite en Guinée-Conakry, les magistrats eux-mêmes n'ont-ils pas révélé qu'en leur sein, la corruption existait et que pire, ils n'étaient pas indépendants et recevaient des injonctions de l'exécutif? Mamadi Doumbouya a reçu ce mardi les magistrats. Il a été question de faire le diagnostic de la justice guinéenne et de proposer des pistes de solutions visant à mettre en place une justice indépendante et crédible. Une décision de justice non rendue est une peine perdue. C'est une faiblesse de la magistrature, c'est une faiblesse de l'État. Aujourd'hui, nous avons des dizaines, des centaines de dossiers, des décisions de justice qui dorment. On ne peut pas les exécuter. Chaque fois qu'on essaie, il y a des problèmes. Avec votre avènement, nous sommes rassurés que les décisions seront désormais respectées, appliquées à la lettre. Bien que des avancées notables sont enregistrées par endroit, d'autres contraintes diverses ont aussi mis en cause la crédibilité de l'appareil judiciaire guinéen. Les magistrats ont failli à leur devoir d'impartialité, à leur devoir d'indépendance, à leur devoir, d'intégrité. On n'est pas indépendant. Comment voulez-vous qu'on soit indépendant si des magistrats sont des policiers, des politiciens s'ils font de la politique? C'est pas possible. On ne peut pas faire dans un pays une justice à deux vitesses. On ne peut pas nous obliger à faire arrêter et juger un citoyen à gauche pendant qu'on nous empêche dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ou de temps voisin, on nous empêche de faire poursuite, de faire poursuivre l'autre. Si vous parvenez, Monsieur le Président, à nous mettre dans ce prisme-là, j'avoue que vous allez avoir non seulement toute la magistrature guinéenne, mais aussi toute la population qui souffre de ces pressions exécutives et politiques. Pour le moment, ils bombent leur poitrine et se pavanent comme des pans. Ils sont intouchables. L'histoire se répète, dit-on. La multiplicité et la sévérité des sanctions contre les indélicatesses par le Conseil supérieur de la magistrature sont une indication de notre volonté de combattre vigoureusement à notre sein les manquements aux devoirs des magistrats et aux charges du juge. Mais le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose pas pour le moment de moyens de lutte contre les ingérences et les pressions des autorités exécutives et politiques. Il convient d'y réfléchir. Deuxième observation. De mon point de vue, le ministre Zorobibalo n'a pu délivrer une conférence de presse le 14 septembre 2021 qu'après moult observations faites en interne à son collègue de la justice restées vaines. À tout le moins, il a reçu l'autorisation de son supérieur hiérarchique, le premier ministre Patrick Hachi. La courtoisie gouvernementale l'exigeant, dans les usages établis du gouvernement, il ne peut y avoir, de la part d'un ministre, révélation publique d'informations sur la haute corruption des agents de l'État, sans que cela n'ait été acté en interne dans le cadre de la politique de communication du gouvernement. Plus encore, le chef de l'État n'a-t-il pas indiqué qu'il combattrait la corruption sous toutes ses formes et qu'aucun corps de l'État ne serait épargné? Cela vaut bien une instruction à laquelle le ministre Zorobibalo ne pouvait qu'obéir. Alors, le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, ne pouvait a priori prétendre qu'il ne savait rien des nombreux cas de corruption signalés depuis belle lurette au sein de son département ministériel, à moins d'être lui-même le corrompu en chef et de vouloir jouer les étourdis en faisant l'âne pour avoir le foin. C'est donc après plusieurs interpellations stériles à l'endroit de son collègue qu'Epiphane Zorobibalo a appelé l'opinion publique à la rescousse pour mettre un coup de pied dans la fourmilière de la justice où tous les coups les plus bas de la corruption sont permis. Je le répète, le poisson pourrit par la tête, et si l'on observe toute cette fébrilité, c'est parce que le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, est un corrompu notoire. De ce fait, il ne peut oser engager une poursuite contre les magistrats corrompus,
car c'est lui-même qui les envoie racketter les justiciables par toutes sortes de chantages à travers toute la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. En 5 ans à la tête du ministère de la Justice, quelle poursuite a une fois été engagée et aboutie contre un magistrat pour corruption, sauf erreur de ma part? En réalité, Sassan Kambilé est le parrain de la haute corruption des magistrats de Côte d'Ivoire, le consigliori, le godfather. Troisième observation. Quand je lis entre les lignes de ce courrier, Sassan Kambilé menace de poursuivre le ministre Zorobi Balo pour outrage à ses prérogatives et estime qu'il a osé dénoncer des magistrats. Un crime de lèse-majesté qui pourrait lui valoir d'être chassé du gouvernement, ou pire, d'être arrêté et jeté en prison à perpétuité. Le ministre de la Justice, Sassan Kambilé, est littéralement en transe contre son collègue, pourtant chargé de la lutte contre la corruption. Il considère que celui-ci marche sur ses plates-bandes et qu'il pourrait lui en coûter la peau des fesses. Pour Sassan Kambilé, dire cela de magistrat signifie qu'il ne fait pas son travail, qui est de veiller à la bonne marche de son ministère, à la probité, à l'intégrité des magistrats. Cela devrait valoir pendaison haute et courte au malappris de Zorobi Balo. Quel mépris! En réalité, en donnant l'impression que son propre ministère prévoit d'ouvrir des poursuites contre les magistrats corrompus, Sassan Kambilé fait dans le dilatoire. Il joue au corrompu anticorrompu. Comment le diable en personne peut-il enseigner la morale aux démons? Or, donc il savait que des magistrats étaient corrompus, mais faisait semblant de l'apprendre uniquement depuis que Zorobi Balo en a parlé? Et c'est là le piège. Lui-même, Sassan Kambilé, ayant les noms des magistrats corrompus, demandait à Zorobi Balo de les lui fournir, s'est précisément préparé une entourloupe pour mettre les concernés au placard, en leur permettant d'anticiper pour couvrir leur forfait. Le ministre Ripoux de la justice ivoirienne veut clairement faire obstacle à la manifestation de la vérité et à l'exercice de la justice dont il a pourtant la charge. Les menaces de coups et blessures volontaires de Sassan Kambilé contre Zorobi Balo sont visiblement celles d'un haut corrupteur aux abois. Il veut dissimuler les traces de ses acolytes magistrats corrompus. Il protège une corporation de corrompus à la tête de laquelle lui-même agit avec un certain talent. Quatrième observation. Sassan Kambilé, le corrompu ministre de la Justice d'Alassane Ouattara, insulte le peuple ivoirien en prétendant qu'on ne devrait pas publiquement parler de la corruption des magistrats. Pour preuve, il parle de délicatesse des questions touchant aux magistrats. Pour lui, les magistrats seraient des dieux que les Ivoiriens ne peuvent pas oser critiquer. Or, est-ce cela le statut d'un magistrat en République? Celui qui dit le droit au nom du peuple peut-il s'exonérer lui-même du respect de la justice sans se discréditer par là même? Un magistrat corrompu est 1000 fois plus condamnable qu'un citoyen ordinaire. Comment peut-on considérer que c'est une indélicatesse de parler d'un magistrat corrompu alors même que ce sont ceux qui disent la justice qui doivent être exemplaires en la matière? Les magistrats devaient être des exemples en matière de probité, d'honnêteté, de droiture et d'irréprochabilité. Cependant, pour Sassan Kambilé, tous les crimes, délits et contraventions des magistrats devaient être ignorés ou tout simplement tus, car ils seraient des êtres supérieurs, hors normes, incritiquables. On le voit, c'est bien la mort de la justice qu'incarne le sieur Sassan Kambilé en Côte d'Ivoire. On dit bien qui se sent morveux se mouche, non? Si Sassan Kambilé n'était pas corrompu, il féliciterait son collègue Zorobi Balo pour ce travail immense bien accompli et pour son courage. Mais en lieu et place, il lui intime l'ordre de fermer sa sale gueule, comme dirait la reggae star Alpha Blondie. « Ferme ta sale gueule, ne parle plus de mes magistrats corrompus, ce n'est pas ton affaire. Si tu me cherches, tu me trouveras. Ne sais-tu pas que je suis l'homme du président? Quelle honte !» Cinquième observation. Interdire les déclarations publiques sur des cas de corruption, c'est de la part de Sassan Kambilé, ministre de la Justice, une forfaiture contre Alassane Ouattara en personne, le supposé chef de l'exécutif et le premier ministre Patrick Achi. En effet, comment comprendre que Sassan Kambilé ose donner des instructions contraires à celles du chef de l'État et de la charte d'éthique élaborée par le premier ministre? Du coup, se comportant comme le chef du gouvernement, il se donne le pouvoir d'interdire à Zorobi Balo, son collègue, de faire son travail de ministre chargé de la lutte contre la corruption, alors même que c'est l'objet de sa mission à lui confier par le président Ouattara. Mieux, si Sassan Kambilé, ministre de la Justice, n'est pas d'accord avec son collègue Epiphane Zorobi Balo, ministre de la Bonne Gouvernance, n'est-ce pas devant le premier ministre chef du gouvernement Patrick Achi que les arbitrages devraient se faire? En fait, Sassan Kambilé se prend pour le premier ministre, je l'ai déjà dit. À moins qu'ayant la confiance et étant dans la confidence d'Alassane Ouattara, sait-il déjà que sa nomination en cette qualité devrait intervenir sous peu?
d'où il agit en faisant carrément fi de l'existence de Patrick Hachi à la tête du gouvernement? Au nom de quoi un ministre invectiverait-il un autre ministre? Sassan Kambilé se comporte comme si c'est Alassane Ouattara, chef suprême de la magistrature, qu'il avait mandaté de demander à Zorobi Balo de la boucler. Il se comporte comme si Alassane Ouattara avait dit que tous les magistrats pouvaient voler en paix sous sa protection. Doit-on alors en déduire que c'est finalement Alassane Ouattara en personne qui parraine tranquillement la haute corruption de notre justice? C'est clairement ce que le comportement de Sassan Kambilé, son ministre de la Justice, laisse paraître. En fait, le ministre Zorobi Balo, magistrat de haut grade, connaisseur expérimenté des tares de la justice en Côte d'Ivoire, n'a fait que lever un lièvre que tous les sachants connaissent, la gangrène judiciaire qui trône dans notre pays. Après avoir fait courtoisement part de ses critiques à son collègue Sassan Kambilé, demeuré sourd à toutes ses interpellations, la sortie de Zorobi Balo n'est rien d'autre qu'un cri d'alarme devant un pays entier qui se meurt dans ses tribunaux. Évidemment, le ministre Zorobi Balo sait que dans cet effondrement, c'est Alassane Ouattara lui-même, en tant que chef suprême de la magistrature, qui y laisse ses dernières plumes. Il essaie de sauver in extremis son patron de l'effondrement moral total du système judiciaire ivoirien. Malheureusement, il se fait humilier et menacer par celui qui a le plus nuit à la notoriété du président Ouattara auprès du peuple ivoirien et des chancelleries occidentales. Ivoiriens, ivoiriennes, regardons la réalité de notre justice en face. La question de la corruption de la magistrature est un secret de polichinelle. Sassan Kambilé a grossièrement et gravement abusé de la confiance du président Alassane Ouattara en faisant bon usage de ses qualités de filou, de beau parleur, de charmeur de serpent. Sassan Kambilé, c'est le marchand de Marguya qui les vend au prix de Caïman. C'est lui qui rackette Libanais et opérateurs économiques privés en utilisant le nom du président Ouattara pour les subjuguer. Fin de la première partie. Dans la seconde partie de notre enquête, nous démontrerons avec preuve la corruption de Sassan Kambilé et les raisons pour lesquelles il devrait séjourner en prison. En matière de lutte contre la corruption, l'action se voit renforcée par la création d'un département ministériel dédié et par des missions d'audit financier et de gestion lancées au sein de plusieurs structures d'État sur instruction du président de la République. Cette même exigence sera évidemment appliquée à tous les échelons de toutes les administrations publiques, comme l'illustre le procès débuté le vendredi 5 novembre devant le tribunal militaire d'Abidjan, mais aussi parmi les activités privées et la société civile dans son ensemble. Tant ce combat est notre affaire commune. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.